Bah Bruno, tiens, vous allez commencer, vous allez enchaîner avec Camille, parce que vous suivez le Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris. Pourquoi il est le meilleur ? Parce qu'il est parti d'un projet, il est en train de révolutionner un club qui s'était endormi avec ses entraîneurs et il est en train de respecter en plus la Ligue 1. Je m'explique, juste le match de Lille. Sur le match de Lille, il est capable de s'adapter. Habituellement, on avait des entraîneurs, Pochettino, Galtier, ils posaient un 4-3-3, ils posaient les joueurs et c'était pas très fin. Tactiquement. Là, désormais, il s'adapte aussi à la Ligue 1. Alors, avec certains résultats qui passent, il a fait quand même une série de 8 victoires consécutives. Oui. Pas avec tout le temps des matchs exceptionnels. Oui, la possession, pardon du terme, ça peut être chiant. Mais je trouve qu'il travaille ce groupe-là. Ça ne fait que 4 mois. Et déjà, en 4 mois, les résultats sont là. Il est leader du championnat, ce qui est logique, avec une équipe qui est quand même plus faible qu'avant. Donc, il en fait un collectif. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant à voir travailler. Alors, il y a quand même un truc que je vais retenir dans votre papier, Camille. Quand il dit que c'est un processus complexe qui demande du temps à mettre en place, puisque vous parlez de révolution, hein, on va aller là-dessus, ça peut être difficile à comprendre à l'extérieur, mais il veut être imprévisible. Et quels que soient les joueurs sur le terrain, il veut que ce soit la même chose. Bon, est-ce qu'il avait réussi à le faire, Ludovic Aubryac, au Barça, ça ? Est-ce que c'est ça la patte, Enrique ? Et c'est pour ça que vous êtes encore en attente ? Bah, c'est plus difficile à faire, évidemment, au Paris Saint-Germain et au Barça. C'est ancré dans les gènes du club. C'est pas ancré en Luis Enrique. C'est Luis Enrique a chopé cet ADN-là en ayant été au Barça. Donc, c'est plus facile de faire ça après quand vous êtes entraîneur, puisqu'on vous a inculqué ça depuis votre arrivée. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, c'est une autre histoire parce que tu es dans une autre stratégie. Donc oui, il révolutionne tout. Plafond, ça vous plaît plutôt. Plafond, seule moquette, il change tout. Et ça, vous aimez ou pas ? Oui, j'aime l'idée, mais c'est toujours pareil. C'est quand tu passes d'un extrême à l'autre, est-ce que tu auras le temps pour le faire ? Parce qu'on s'aperçoit que finalement, le PSG est bien meilleur cette année sur les phases de transition, sur les phase de possession, il se passe pas grand chose. Moi, je vois sa patte surtout sur le côté droit avec Hakimi Dembélé. Je la vois moins ailleurs. Donc oui, ça prend du temps et c'est normal et c'est bien normal. Mais je pense aussi à un garçon comme Eric Roy parce que ce qui est fait à Brest aujourd'hui est quelque chose de phénoménal. C'est pas que cette année, c'est déjà depuis son arrivée. Je pense peut-être qu'il doit avoir une des meilleures moyennes puisqu'on faisait un jeu hier sur les saisons à cheval en prenant celle de l'année dernière. Je trouve que le travail est stratosphérique avec l'équipe qu'il a. On lui prévoyait les enfers. On mettait déjà Brest au début de saison. Enfin, beaucoup mettaient Brest déjà dans la charrette. Et cette équipe, elle confirme, quoi. C'est pas été le tube de l'été. C'est en train de confirmer. Elle est quatrième du championnat et elle n'est pas prête de s'arrêter. Pour revenir à Luis Enrique, on a parlé de ses nombreux changements tactiques et en termes de composition, on a trouvé trois chiffres pour illustrer cela. D'abord, 24 joueurs différents utilisés depuis le début de la saison par Luis Enrique. Trois systèmes de jeu, on va dire principaux, utilisés depuis le début de saison. Il y a eu parfois une défense à 3, parfois un 4-3-3, parfois un 4-4-2. Et enfin, quatre compos différents en 6 matchs de Ligue des Champions. Donc tout le débat, il est là. Est-ce qu'il innove ou est-ce qu'il tâtonne ? C'est vrai qu'on serait tenté de dire, pour répondre à la question de Romain Aran, qu'il innove, Pierre Maturana. Mais en même temps, il cherche quand même encore la bonne formule. Il est quand même très difficile de ne pas le remarquer. Luis Enrique est le coach de Ligue 1 qui interroge le plus depuis le début de saison. Bien plus que sa note moyenne sur cette phase aller 6-35, la meilleure selon notre journal, l'Espagnol étonne par son style. Dans un club comme Paris, où on a souvent affirmé que les derniers coachs manquaient de caractère, de personnalité et d'ambition, cette fois-ci, on est bien servi. Luis Enrique coche toutes les cases, peut-être même trop. Niveau franc-parler, il est le meilleur à son poste, pas de doute. On se souvient qu'il n'avait pas hésité à sortir la sulfateuse quelques jours après la claque reçue à Newcastle. Il a bien sûr révolutionné les entraînements avec des méthodes atypiques, talkie-walkie partout, élévateur. Mais là où il reste le plus imprévisible, c'est dans ses compositions d'équipe. Impossible à deviner, Enrique n'a qu'un but, devenir l'équipe la plus imprévisible possible pour gêner ses adversaires. L'entraîneur du PSG reconnaît que cette recherche tactique n'est pas sans risque. Il croit dur comme fer à ses idées et ça, on ne va pas non plus lui reprocher. Autre détail, mais qui peut faire toute la différence, c'est sa gestion des stars. Là aussi, les ex-coachs du PSG en ont pris plein la tête. Unai Emery ne dira pas le contraire. De son côté, Luis Enrique ne prend pas de gants avec sa star Kylian Mbappé, même après un triplé face à Reims, on s'en souvient. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Sur les buts, évidemment, je n'ai aucun reproche à lui faire. Mais je pense qu'il peut plus aider l'équipe dans un autre registre. Nous pensons qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, aucun doute là-dessus, mais nous voudrions qu'il fasse plus de choses encore, ça c'est dit. Et ça témoigne encore d'une fois des ambitions du coach du PSG.
et surtout de son exigence. Bien sûr, tout n'a pas été parfait depuis le début, mais Luis Enrique est champion d'automne et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions après avoir bataillé dans un groupe très compliqué. Il est donc là où on l'attendait, mais surtout, il sait que la suite sera bien plus décisive. Un PSG version Enrique, plein de promesses. On a hâte de voir la suite, car le PSG, là, nous intrigue, et Luis Enrique encore plus. Alors, est-ce qu'il est vraiment le meilleur coach de Ligue 1 avec sa note? Bien sûr, mais pour vous, regardons les réponses. J'y crois, on l'a bien compris à travers le papier de Camille Macali. Plutôt Farioli, mais enfin, il ne doit pas être très loin derrière, Dave Quignon, c'est toujours verra, pareil. On verra. Bah oui, il est le meilleur pour Bruno. Non, c'est pas le meilleur pour Pierre Maturana. C'est Eric Roy, le roi. Excellent, vous avez dessiné la couronne, il y a un jeu de mots, je pense, non, le de Comanac. Ah oui, je l'ai plus. Ouais, elle est belle. Produit, hein. Vous me permettez, je pense, j'imagine. Faut voir que c'est pour quand même. Essayez. Roi. On y va, on se fait un petit débat express, les gars, on prend une petite minute pour convaincre chacun. Est-ce que tu penses que Luis Enrique est en train de révolutionner le PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Luis Enrique, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, selon toi, est-ce que tu penses que Luis Enrique est en train de révolutionner le PSG? Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord faire un petit flashback. Christophe Galtier, les amis, Christophe Galtier, il a eu sur ses autres Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. J'aurais aussi voulu voir un Luis Enrique avoir Neymar et Messi dans son effectif. Parce que Luis Enrique sort rarement ou quasiment jamais Kylian Mbappé. Est-ce que Luis Enrique devait avoir la personnalité de faire sortir Messi, devait avoir la personnalité de faire sortir Neymar? Personnellement, j'ai de gros doutes. J'ai de gros doutes parce qu'on sait que lorsque Pochettino a essayé de faire sortir Messi, mais ça a fait la une des journaux. Ça a fait la une des journaux que non, Pochettino ne doit pas sortir Messi, Pochettino ne doit pas sortir un jeu qui a remporté cette Ballon d'Or, parce qu'à l'époque, Messi avait remporté cette Ballon d'Or et du coup, ça avait fait une tournée de polémiques. Avait créé polémique, les amis. Même Guardiola était monté au créneau en disant que non, Pochettino ne devait pas sortir Messi, qu'on ne sort pas Messi. Même Guardiola était monté au créneau en disant qu'on ne sort pas Messi. Donc, j'aurais voulu voir Luis Enrique avec le même effectif, c'est-à-dire Neymar, Messi et Kylian Mbappé. Parce que c'est plus facile de gérer un Ousmane Dembélé que de gérer un Lionel Messi ou encore un Neymar. Déjà, Christophe Galtier et Luis Enrique ne partent pas sur les mêmes bases. Je pense que si Christophe Galtier avait aussi un Ousmane Dembélé, un Barcola, il aurait peut-être dû mettre son projet en place, son projet de jeu en place. Donc, une fois de plus, Luis Enrique n'a pas l'effectif qu'avait Christophe Galtier. Christophe Galtier avait Messi, Neymar, en plus d'avoir Kylian Mbappé. Il y avait également Marco Verratti. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de comparer ces deux entraîneurs. Parce que ce n'est pas le même effectif. Est-ce que si Luis Enrique avait Messi ou Neymar, est-ce que il devait mettre son système de jeu en place de manière tranquille? J'ai un doute parce que lorsque tu as Messi et Neymar, c'est très compliqué de les faire sortir. C'est vraiment très compliqué de les faire sortir. Mais si on juge sur l'instant présent, ce que Luis Enrique fait au PSG, c'est intéressant. On voit du pressing, du contre-pressing. On voit des séquences de passes intéressantes. Donc, c'est quand même intéressant. C'est très intéressant même. Moi, je prends la continuité. J'espère que le PSG va laisser Luis Enrique sur le long terme parce qu'on ne bâtit pas un projet intéressant en une année. Regardez, Manchester City a laissé du temps à Pep Guardiola. Aujourd'hui, Guardiola a tout remporté avec Manchester City. Tout. Championnat, Coupe, Ligue des Champions, tout. Il a tout remporté. Ce n'est pas en une saison qu'il a fait. Il ne l'a pas fait en une saison. Donc, moi, je pense que si les dirigeants du PSG laissent du temps à Luis Enrique, si on donne du temps à Luis Enrique, moi, je pense qu'il va bâtir des choses incroyables avec ce PSG parce que ce PSG a vraiment le potentiel. Cette équipe a un potentiel. Lorsque tu vois les Zaïre Emery, c'est des jeunes prometteurs que si ils continuent à travailler les autres de Luis Enrique, ils peuvent vraiment prendre une autre dimension. Les amis. Donc, Luis Enrique, oui,
il fait des choses incroyables, mais c'est aussi à prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'effectif qu'avec Christophe Galtier, tu vois. Est-ce que s'il avait Messi, il devait mettre Messi sur le banc? Est-ce que s'il avait Neymar, il devait oser mettre Neymar sur le banc? Donc, c'est un peu difficile à comparer les deux effectifs, celui de Christophe Galtier et celui de Luis Enrique. Mais, comme je l'ai dit, sur l'instant présent, Luis Enrique fait des choses vraiment intéressantes. Il fait des choses intéressantes. On voit du pressing, du contre-pressing, des actions bien construites. Donc, c'est vraiment à saluer. Après, il faudra que les dirigeants lui donnent du temps. Il faudra vraiment qu'on lui donne du temps. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Luis Enrique a révolutionné le jeu du PSG? Dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre épisode, les amis. Ciao, ciao.